vraiment dans une immense ville. Busan, c'est c'est la deuxième ville, je crois, de Corée. Donc c'est vraiment très très grand. Les gens, ils sont tous mais calmes, ils sont posés, ils sont tranquilles, ils sont souriants. Malgré qu'ils sont dans une grande ville, j'ai le sentiment que la famille, c'est important. C'est des gens qui vivent en clan, c'est des gens qui aiment pas forcément la solitude qu'on pourrait trouver dans une grande ville en Europe. Quand je vois le clan, la notion de clan chez les Coréens, je pense aux Valaisans plutôt. C'est-à-dire la terre où nous on habite, où il y a toujours la famille qui est là. Et du coup, je me sens assez proche des Coréens. Et puis c'est des gens qui cultivent le sourire aussi, qui cultivent l'idée que quoi que tu fasses, fais-le avec plaisir, fais-le avec le sourire. C'est des gens souriants, c'est des gens serviables, c'est des gens qui ont du cœur, qui ont un immense cœur. D'ailleurs, ils font tout le temps des cœurs comme ça. Tu sens que... ou bien comme ça. Tu sens que le cœur, c'est important pour eux. Et comme il y avait beaucoup de monde, moi, j'avais le frisson. Après le spectacle, ou pendant le spectacle, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu Géraldine aussi, je ne pouvais pas m'empêcher de l'embrasser, Géraldine, parce que j'étais tellement émue. Alors bon, bah, je crois que c'est, très universel, c'est très touchant. En tout cas, il y a quelque chose qui nous absorbe. J'adore voyager. Pas voyager pour voyager. J'adore voyager pour partager le fruit de mon travail de création. Réconfortant à quelque part, parce que tu sens qu'une démarche qui a démarré à 24 ans, elle a quand même son aboutissement dans des moments comme ça. D'arriver à le partager avec des gens qui n'ont pas du tout la même culture que toi, qui n'ont pas du tout la même éducation, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas le même physique, et d'arriver au moment de la scène, sur le plan artistique, à transcender tout ça et à partager, à transmettre des choses de cœur à cœur, moi je trouve. Ouais, c'est le truc qui me fait le plus plaisir, quoi. Je trouve ça magnifique. Parce que je crois que c'est ça que j'ai à donner, en fait. Et j'aimerais pouvoir le donner au monde entier.